أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا
إن هو إلا ذكرى للعالمين. Et souviens-toi lorsque Abraham dit à Hazar, son père, « Prendrais-tu des idoles pour divinité ? Je vois que toi et ton peuple êtes dans un égarement manifeste. » C'est ainsi que nous montrâmes à Abraham la royauté des cieux et de la terre, pour qu'il fût de ceux qui croient avec certitude. La nuit tombée, il vit un astre et dit, « Voilà mon Seigneur !» Puis quand l'astre eut décliné, il se reprit, « Je n'aime pas ce qui décline. » Puis voyant poindre la lune, elle dit, « Voilà mon Seigneur !» Et lorsqu'elle disparut, elle se reprit, « Si mon Seigneur ne me guide pas, je serai du nombre des égarés. » Puis voyant apparaître le soleil, elle dit, « Voilà mon Seigneur, celui-ci est bien plus grand. » Et lorsque le soleil se fut couché, elle se reprit, « Ô peuple mien, je désavoue les associés que vous donnez à Allah. Je tourne mon visage en pur monothéiste vers celui qui a créé son modèle préalable, les cieux et la terre. Je ne suis point de ceux qui lui associent des émules. » Son peuple lui opposant des arguments, elle dit, « Disputerez-vous avec moi d'Allah, alors que c'est lui qui m'a guidé. Je ne crains point les émules que vous lui associez, sauf si Allah veut que je craigne quelque chose. Mon Seigneur cerne tout de sa science. Ne le réalisez-vous donc pas. » Et comment craindrai-je les émules que vous lui associez, alors que vous-même ne craignez pas d'avoir associé à Allah des émules, pour lesquels il n'a fait descendre vers vous aucune preuve d'autorité? Laquelle des deux parties mérite donc le plus d'être en sécurité? Dites-le si vous le savez. Ceux qui ont cru et n'ont pas altéré leur foi par de l'injustice, ceux-là sont en sécurité et sont bien orientés. Tel fut l'argument que nous accordâmes à Abraham contre son peuple. Nous élevons de plusieurs degrés de rang de qui nous voulons. Ton Seigneur est sage et omniscient. Nous lui donnâmes Isaac et Jacob que nous orientâmes vers la juste voie. Ainsi avions-nous orienté Noé auparavant. Parmi ses descendants est lieu David, Salomon, Job, Joseph, Moaz et Aaron. Et c'est ainsi que nous récompensons les bienfaiteurs. Et Élieu aussi, Zacharie, John le Baptiste, Jésus et Élie, tous étaient du nombre des vertueux. Ainsi qu'Ismaël, Élisée, Jonas et Lot, que nous tînmes tous en plus haute estime que le reste du monde. Et aussi certains de leurs ascendants, de leurs descendants et de leurs frères, que nous avons élus et orientés vers une voie droite. Telle est la voie juste, Houda, par laquelle Allah oriente qu'il veut parmi ses serviteurs, et qu'il savait prêter des associés à Allah, alors toutes leurs actions seraient parties en pure perte. Ce sont ceux-là à qui nous avons apporté le livre, la sagesse et la prophétie. C'est ceux-ci, ton peuple, et mes croix. Nous en avons confié la charge à des gens qui ne les rejettent point. Ce sont eux qu'Allah a bien orientés. Suis donc la direction dans laquelle ils sont orientés. Dis, je ne vous demande pour cela aucune rétribution. Ce n'est qu'un rappel adressé à tout l'univers.